Quand on parle de magazine pulp dans le monde de la fiction, on peut nommer Astounding Science Fiction, Amazing Stories ou encore Weird Tales. Frank A. Munsey serait le premier à avoir adopté ce format pour son magazine The Argosy en 1896. C'est le premier magazine entièrement dédié à la fiction. Les pulps sont imprimés sur du papier bon marché et présentent des couvertures tapageuses aux couleurs vives. Leur prix de vente abordable explique en partie leur popularité. Il faudra toutefois attendre 1930 pour que sorte le premier magazine pulp entièrement dédié à la science-fiction. Il s'agit du magazine Astounding. L'avènement d'autres loisirs comme le cinéma participera au déclin des pulps. De nombreux auteurs devenus célèbres ont fait leur début dans les pulps. On peut retrouver certaines de leurs histoires rééditées dans des recueils de nouvelles. Abonne-toi pour en savoir plus sur la SF en une minute.